dans le présent. Après toutes ces années, il était temps que je règle cette histoire par moi-même. Attendez, maître, que faisons-nous des individus qui n'ont pas vu les 350 autres films du Marvel Cinematic Universe? Ils ne vont rien comprendre. C'est simple, on fait un résumé qui prépare le futur résumé foireux. Très astucieux, maître. Dans le passé, dans un monde où le shield d'une agence de protection mondiale dirigée par un pirate nommé Fury qui veut recruter des héros afin de créer l'équipe des Avengers. Coulson, devinez ce qu'on va venger avec l'équipe des Avengers. On va venger quoi, monsieur Fury? Absolument tout ce qu'on veut, bordel. Une équipe incroyable constituée tout d'abord d'Iron Man, un génie scientifique avec une armure sophistiquée et portée sur la picole. Eh les gars, j'ai pissé dans mon armure. Captain America, un soldat de la Deuxième Guerre mondiale boosté aux stéroïdes, réveillé à notre époque après être resté endormi dans la glace pendant 70 ans. Et c'est pas la loose d'être vierge à 88 ans? Ah ouais? Tu fais le malin avec ton armure, mais sans, tu deviens quoi? Robert Downey Jr., je gagne 10 fois ton salaire. Peut-être, mais moi je moule du cul. Il n'avait pas tort. En parlant de lui, Thor, le dieu Asgardien du tonnerre. Mec, j'ai plus de batterie, un petit coup de main? Bon ok, mais la prochaine fois tu te démerdes. On peut dire que j'ai eu un coup de foudre. Sérieusement? La veuve noire, une espionne agile et reine de la Duckface. C'est vrai qu'elle le fait bien. Œil de faucon, à ne pas confondre avec œil de vrai con. Un soldat du shield avec pour seule arme son arc à flèches. On est en guerre et tu ramènes que des flèches? Bah ouais. On doit se farcir une armée d'aliens quand même. Avec mes 14 flèches, aucun problème. Et merde. Bruce Banner, un scientifique gentil comme un agneau mais qui se transforme en géant vert dès qu'on le contrarie. Ce soir, on mange des pâtes bolo, Bruce. Mais t'avais dit qu'on ferait des knockers. Ensemble, ils vainquirent une armée d'aliens dirigée par Loki, dieu asgardien de la malice. Je suis allé aux toilettes communes. Et alors? Sans tirer la chasse. Oh, vous êtes si méchants. Ah, je sais. Après avoir récupéré le sceptre de Loki contenant une pierre d'affinité, Iron Man et Bruce décidèrent de créer une intelligence artificielle pour protéger le monde des futures menaces. Ok, Alexa, joue Despacito. Ok Tony, je vais purifier le monde des Avengers. Elle est chelou la mise à jour d'Amazon. Ils sauvèrent la situation à l'aide des jumeaux Maximoff, Pietro qui a le pouvoir de courir super vite. C'est Wama Girl. Mais pas assez vite pour éviter de simples balles. Bande de culva. Et sa sœur Wanda avec ses pouvoirs télékinésiques qui lui permettent de montrer des visions cauchemardesques. Montre-moi tes peurs. Oh non, un film solo, une comédie romantique. Étant responsable de nombreuses pertes civiles, les Avengers sont privés de toute activité héroïque sans la supervision de l'État par l'accord de Sokovie. Tony, t'as vraiment accepté cet accord, mais qu'est-ce qui te prend? Me demande pas, je suis tellement bourré, je sais même pas où je suis. Et depuis quand on a deux Captain America dans l'équipe? De cette guerre civile va naître un conflit. Captain America, qui a retrouvé son ami d'enfance Bucky, manipulé dans le passé par des nazis pour tuer les parents d'Iron Man. Steve choisira-t-il entre ses amours du passé ou ceux du présent? Tony, Bucky est mon pote. On a toujours dit les potes avant les putes. Mais j'étais ta pute. Chacun recrutera de grands héros, tels que Spider-Man, un adolescent beaucoup trop doux pour ce monde. Tu connais Captain America? Bien sûr, c'est l'un de mes héros les plus favoris de tous les temps. Tant mieux, tant mieux. Je t'engage pour lui démolir la mâchoire. Ok. Black Panther, roi du Wakanda et roi des Furies en convention. Chérie, où est ma fursuite? Ant-Man, capable de rétrécir et de grandir à volonté et de maîtriser des fourmis. Ça pue un peu la merde ton pouvoir. Je vais me miniaturiser dans ta prostate puis m'agrandir et tu verras si ça pue la merde. Ok, t'es engagé. War Machine, à peu près la même chose qu'Iron Man sauf qu'il a une mitrailleuse sur l'épaule. Ah, vous voulez que je sois différent? Ok, très bien. Maintenant, je suis paralysé à vie. Vision, une intelligence artificielle qui a un crush sur Wanda. Wanda, tu connais ma chanson favorite? Non, c'est quoi? La mécanophilie. Falcon, un ami de Captain America qui possède un costume de piaf. Si moi on m'appelle costume de piaf, alors Tony il a un costume de canette de Coca-Cola. Hé, hey, cette armure est stylée, ok? Pendant cette chamaillerie, Thor parvient à sauver son peuple de sa sœur maléfique, elle. Et cherche une potentielle planète pour accueillir tous les Asgardiens. C'est sûr que c'est une bonne idée d'aller immigrer notre peuple sur la Terre, déjà qu'ils supportent pas les étrangers sur leur planète. On est dans de la science-fiction, on ne casse pas mes rêves innocents. Pendant ce temps, le Docteur Strange protège la Terre des menaces mystiques et gère son business de brasserie à ses heures perdues. Prouve-moi que t'es puissant. J'ai le pouvoir de remplir les chopes de bière à volonté. C'est le meilleur pouvoir au monde. De l'autre côté de la galaxie, les Gardiens de la galaxie sauvent la galaxie avec le pouvoir des années 80. Oh, child, sun's gonna be brighter.
hein. Allez, on y va encore. Someday. Encore de l'autre côté de la galaxie, il existe une autre gardienne de la galaxie, mais qui ne fait pas partie des gardiens de la galaxie, Captain Marvel. Bon Dieu que c'est confusant. Une ex-militaire prête à défendre la race des Skrulls et à leur trouver une planète habitable pour vivre en paix. Elle fera tout pour vaincre son ennemi mortel, le Patriarcat. Tu vas me donner 30% de salaire en plus. C'est mort. Tu vas me les donner ou je te brise la main? D'accord. Tous ensemble, ces héros devront faire face à Thanos, un titan sociopathe qui ne cesse de changer de couleur au fil des années. Son plan est de récupérer les 6 pierres d'infinité pour faire disparaître la moitié de l'univers. Préparez vos plumeaux, Swiffer. Ça va devenir poussiéreux.